Il faudra s'y faire. Désormais, la série 3 cabriolet s'appelle série 4 cabriolet. Mais si le matricule change, la formule, elle, reste la même. À savoir celle d'un cabriolet 4 places, élégant et surtout doté d'un toit rigide escamotable. S'ils sont prisés des propriétaires pour leur résistance au vandalisme et leur confort, les cabriolets à toit rigide escamotable ont une grosse tare, leur poids élevé, synonyme de surconsommation et donc d'émissions de CO2 plus importantes. Pourtant, BMW a décidé de rester fidèle à cette formule sous sa nouvelle série 4 cabriolet, un choix technique qui se traduit ici par un poids en hausse de 225 kg par rapport au coupé série 4. Autre limitation du toit rigide, il est impossible de l'actionner à une vitesse supérieure à 18 km/h, alors que la plupart des cabriolets à capote souple autorisent un décapotage jusqu'à 50 km/h. En tout cas, force est de reconnaître que l'adoption d'un toit rigide ne s'est pas faite au détriment de l'élégance des lignes. Extérieurement, la série 4 cabriolet reprend le style du coupé, avec des optiques étirées venant embrasser les naseaux chromés, des prises d'air au niveau des ailes avant et des feux arrière étirés. Dans l'habitacle, on dispose de sièges avant spécifiques pouvant recevoir un chauffe-nuque pour l'hiver. La planche de bord est reprise des séries 3 et séries 4, on est en terrain connu avec une bonne ergonomie et une finition de qualité. Il y a pas mal de détails bien conçus dans cette série 4 cabriolet. Juste un pour vous montrer, le filet coupe-vent. En général, quand on le retire pour libérer les places arrière, on ne sait jamais trop quoi en faire. On le met dans le coffre, en général il s'abîme ou on le perd. Et bien, BMW a trouvé la solution. Hop, un rangement ici, derrière la banquette. Et voilà, il est à l'abri des regards et les places sont libérées. Pour notre essai, nous avons opté pour la version 435i dotée d'un 6 cylindres 3 litres turbo de 306 chevaux. Associé à la très agréable boîte automatique ZF à 8 rapports, il procure des performances bonnes mais pas exceptionnelles. Il faut dire qu'avec 1750 kg à vide, la BMW 435i cabriolet n'est pas franchement une ballerine. De toute manière, les suspensions souples incitent à adopter une conduite décontractée. Du coup, on prend vite le pli de se mettre coude à la portière et de se laisser bercer par le son du 6 cylindres. Élégante, luxueuse et bien pensée, la nouvelle série 4 cabriolet met clairement l'accent sur le confort et l'on apprécie sa douceur et le caractère ouaté de son 6 cylindres. Ceux qui réclament davantage de sensations devront cependant attendre l'arrivée de la très sportive M4 cabriolet.